Chez les Longuet, la pâtisserie, c'est une affaire familiale. Depuis 4 générations, le savoir-faire se transmet de père en fils. C'est mon arrière-grand-père qui a commencé en 1888. Il était pâtissier, il a ouvert sa première boutique en 1906 à Vincennes. Et mon grand-père a continué en 1946 sur Versailles, à l'après-guerre. Et mon père et mon oncle, Alain et Michel, ont repris en 1973 sur Versailles et sont venus au Père en Yvelines, à côté de Rambouillet, sur un site plus approprié pour la production. Et on est passé de 1946 à 1000 gâteaux jour à 200 000 actuellement. 200 000 gâteaux sans colorant ni huile de palme, commercialisés pour la grande distribution en Île-de-France. Avec une particularité, ils sont labellisés Saveur Île-de-France. Tant qu'on peut, on fait travailler effectivement des partenaires locaux pour une question éthique. C'est beaucoup plus sain effectivement que de faire venir des produits de loin pour éviter du carbone dans l'environnement. Un produit coqueluche pour cette entreprise familiale de 19 personnes, synonyme d'enfance et de tradition. La madeleine reste encore le produit phare et surtout actuellement elle redevient un petit peu tendance et elle reste tendance. Après sinon bien sûr nous avons des rochers coco, nous avons des financiers amandes qui plaît bien, des moelleux chocolat, voilà. Mais la madeleine reste le produit phare qu'on produit le plus. Les matières premières de ces petites douceurs sont locales, mais ce n'est pas tout. Autre critère pour obtenir le label Saveur Île-de-France, la fabrique se fait elle aussi juste derrière la boutique, ouverte du lundi au vendredi de 14h à 18h.